Salut à tous! Salut les gars! On se retrouve. Oh! Ça va... Hop! Mais qui voilà! Antoine Vasseur! On se retrouve aujourd'hui pour. Meilleur acting de la On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 4 de notre super concept, 100 jours avant les concours. Voilà. J'ai moins 97. Il a pas fait des maths pour rien ce mec. J'ai moins 97, j'ai moins 97. Voilà, donc aujourd'hui. Oh ouais. Aujourd'hui, on vous débiffe notre journée de lundi. Voilà ce qui s'est passé un peu, les trucs intéressants. Peut-être le truc le plus intéressant dont on va parler aujourd'hui, c'était. La découverte de l'Inde en géopolitique, voilà, truc qu'on connaissait pas du tout. C'est ça, ça c'était vraiment pas mal. Et donc vous connaissez le principe, on vous parle de notre journée, notre ressenti, on vous dit ce qu'on fait ce soir. C'est parti, on va commencer par Paul. Ok, moi, on va commencer par les invités. Ouais, on va commencer par Antoine. Antoine. Qu'est-ce que je fais ce soir? Ouais. Écoutez, ce soir, moi, après en rentrant là, c'est comme d'habitude, gros fichage d'histoire, on reprend le cours d'aujourd'hui. Ça, c'est un mec, ça et on essaye de le finir, on essaye de reprendre tout ce qui s'est passé dans la journée, pas être en retard parce qu'après ça accumule. Et ensuite là, petite mat, on revoit le cours, on reprend les exemples de cours, on essaye de comprendre les démonstrations. Après on fait des exercices, on prend des interros. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait en maths aujourd'hui, Antoine? Qu'est-ce qu'on fait en maths? On va revoir le cours d'aujourd'hui, le nouveau chapitre sur les endomorphismes orthogonaux. Symétriques. N'importe quoi. Très bon. Excellent cours. Et ok, et du coup, tu vas bosser un peu la puissance militaire de l'Inde, ses forces économiques, etc. On découvre un truc, mais c'est ça qui est trop cool, c'est que l'Inde, on n'avait aucune... Enfin, moi, je connaissais rien, genre moi la capitale et c'est tout. Et, bon, la capitale découvre, quand même, mais ouais. On découvre, ouais, voilà, mais on découvre grave... C'est New Delhi. C'est ça. Okay. Les relations que ce pays a avec d'autres pays, les conflits, la puissance militaire, en vrai, ça gère de ouf comme pays. Enfin, toujours, pas mal du tout. En plus, toujours avec une petite analyse bien pertinente sur... les aspects de la puissance et ça permet de contextualiser, c'est pas mal. Moi, je suis d'accord avec Antoine, je trouve que c'est la chose qu'on a fait la plus intéressante aujourd'hui. On a à peu près eu la même journée qu'Antoine, donc qu'est-ce que tu veux faire ce soir, toi, Paul? Moi, ce soir, j'ai des petites calls cette semaine, notamment call de maths, donc on va réviser les démos. Je passe sur deux chapitres que j'ai pas très bien compris encore, qui sont, je connais même pas les noms, vecteurs aléatoires et... projeté orthogonaux, plutôt chaud, va falloir que je revoie tout ça, les exos et tout. Donc je fais ça ce soir surtout, et essayer de reprendre le cours sur l'Inde, mais en vrai j'ai plutôt bien compris aujourd'hui, le prof était hyper clair, donc franchement... Très calme. C'est ça, très calme. Bon, on a écrit à peu près l'équivalent de 13 pages, mais tranquille, on va essayer de reprendre ça ce soir si j'ai fini les maths à temps, et puis voilà, peut-être commencer à s'intéresser au sujet aussi qu'il nous a donné, parce qu'il nous a déjà donné notre sujet pour la semaine prochaine, qu'on fait, toute la classe fait un sujet chaque semaine, ça c'est super cool comme... On n'aura pas le temps. Comme truc. Bon, on n'aura pas le temps, mais moi je vais commencer à y penser, en fichant mon cours. C'est pas vrai, on va tout faire ce soir les gars. Et toi Axel, tu fais quoi ce soir? Moi, je continue sur mon envie de faire beaucoup d'algèbre pour pallier à mes failles, donc des maths, et puis je vais faire une traduction d'espagnol, sûrement. Et puis mon Anki, parce que je travaille pas mal sur Anki, pour me souvenir des exemples d'histoire, des mots de vocabulaire et tout. Et aussi, truc drôle, en fait, on n'y a pas pensé, mais là, on parle potentiellement à 60 personnes de plus qu'hier. Merci. On a dit à tout le monde qu'on avait une chaîne YouTube, donc merci pour ça. Merci d'être là, les gars, merci du soutien. Parce qu'en plus, là, on est à 3 minutes 34, donc si vous êtes resté jusqu'à 3 minutes 34, c'est que c'est ça vous intéresse, ou au moins... vous me trouvez beau. Ouais. Et que vous allez avoir l'occasion, en exclusivité, quand ce beau gosse reviendra sur notre chaîne, qu'il nous présente, il est super fort dans une matière, je vous dis pas laquelle, c'est un peu la surprise, mais il va nous présenter un de ses devoirs réussis, ça va vous mettre bien, voilà, c'est pour ça que vous êtes restés jusqu'à 4 minutes les gars, je crois qu'on peut conclure cette vidéo. Bah c'est pas mal, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain pour un nouvel épisode. C'est ça, ciao. À toutes les gars.